souvenir, le monde enchanté des enfants qui n'en a pas fait partie, qui, au Gabon, n'était pas câblé devant sa télévision à 18h après le passage de la speakerine, qui ne se souvient pas de Pepa et Akassi, Demetan, Goldorak, Spectroman, Albator, Raon, Joe 90, Jules et Julie, les jumeaux du bout du monde, Booba et j'en passe. Qui n'a pas pris le nom d'un dessin animé ou d'un personnage de bande dessinée, que ce soit sous forme de BD ou à l'écran. Entre les génériques et les signatures de ces héros des années 70, et plus, il y a souvenir, par exemple, de Lucky Luke. Lucky Luke parce que ça a bercé mon enfance, et j'ai grandi non loin d'un stade de football. Du coup, ça fait que dans notre petit groupe d'enfants, j'étais pas le plus chétif en fait. Il y avait quelqu'un plus chétif que moi, on l'avait surnommé Lucky Luke. Donc du coup, ça fait qu'on a grandi avec ça jusqu'à aujourd'hui. Lucky Luke était un dessin animé qui était aussi éducateur. Et puis ça nous apprenait beaucoup de choses à la fois. Ça nous faisait pas seulement rire. Ben, particulièrement, s'il faut citer un personnage, c'est celui de Lucky Luke. Oui, parce que c'est quelqu'un qui était de la justice, un justicier en un mot. Voilà, il traquait les méchants, notamment les Dalton. Ce que je garde à l'idée, c'est qu'il tirait plus vite que son homme. Beaucoup ont voyagé grâce aux contes et légendes de ces séries d'animation du monde merveilleux de Walt Disney. Certains que nous avons rencontrés s'en souviennent, monstres choisis. Pas peur de personne. I'm a poor lonesome cowboys. I'm a long, long way to home. Tom Kidam Tom, oh, some cowboys. Dans l'espace et dans ton cœur, un vaisseau venu d'ailleurs. Dans l'espace, dans son cœur, avec son, il se transforme en robot, biomasté, un peu comme ça. Le monde englouti ou encore Zamblan, Tarzan, Astro le petit robot, Jenki, bref, la liste n'est pas exhaustive. Au-delà des histoires passionnantes, des bandes originales ont également eu un impact. Bioman, ça fait longtemps, mais j'aimais bien, j'étais petit, je manquais même l'école parfois. On appelle qui encore? Zembla, Blake, tous ces gens qui nous ont fait vibrer. Hein. Je veux dire, la nature et tout ça, là, bon. Hein, tout un ensemble de petits secrets, de comment se comporter dans la vie, comment être, et comment être un héros. Si l'âge et peut-être le poids des responsabilités ne permettent plus d'être connectés aux nouvelles séries que proposent certaines chaînes de télé, nos papas fanatiques qui aujourd'hui pointent du doigt la qualité pas assez instructive de certains dessins animés s'en souviennent encore, car il y a toujours un petit qui sommeille en chacun de nous.